Choisir liste de coups. Truc tout con. Tout con. Vous faites, hop. Voilà. Vous mettez un coup comme ça. Ensuite, vous refaites choisir une liste de coups. Et vous choisissez une shop. Voilà. Approchez l'adversaire. Ensuite, vous remettez liste de coups. Vous mettez un autre coup de poing avec un autre bras. Donc commencez avec 2 par exemple. Attends, 2-1 c'est où? Il n'y a pas 2-1. Après vous pouvez le faire manuellement aussi, hein, c'est pas non plus... Juste je vous montre comment vous entraîner à déchoper. Enfin à l'époque en tout cas. À l'époque les anciens on faisait comme ça. Ils ont pas mis son coup triangle carré. Y a pas son coup qui commence par triangle quoi. Bon, très bien. Je rêve, ils ont pas mis. Ah, c'est juste un jab de base et ils l'ont pas mis quoi. Bon, bah, vous commencez par ça. Tiens, ça c'est peut-être boomerang, c'est pas mal. Bon, commencez par ça. Peu importe. J'avais 2-1-2 là. Ah bah c'est ça que c'est que j'ai mis. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Voilà. 2-1-2. Et vous rechoisissez la dernière shop, mais ça chope 1+2. Qui est là. Voilà. Et vous faites lecture. Voilà. Voilà. J'échoppe 1+2. Là je bloque. J'échoppe 1+2. J'échoppe la 1. Je bloque. Je bloque. Je bloque. J'échoppe la 1. J'échoppe la 1+2. Je bloque. Je bloque. J'échoppe 1+2, je l'ai pas fait. Voilà tout simplement. Vous avez compris? Comme ça, ça va vous habituer à avoir l'animation. Du bras gauche, bras droit, vous avez vu, hein, je le vois, hein, là, ça se voit l'animation bras gauche, bras droit, enfin, là en practice, en match c'est pas pareil, mais... Comment on fait les actions du... Faut mettre enregistrer le joueur, Mia. Donc vous faites ça, et du coup ça vous habitue, mettez pas que les chops comme ça, dès que vous voyez un truc arriver, ça peut être un coup de poing, donc ça vous entraîne aussi à défendre, pas juste à appuyer des chops dès qu'il y a un coup qui arrive, parce que si le mec il met un poing, une patate, vous allez vous prendre le coup dans la gueule. Donc ça, c'est comment le bosser à l'ancienne, hein. C'est peut-être à l'ancienne, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et vous pouvez le faire avec plein de coups, vous pouvez mettre beaucoup plus de coups. Comme ça, les shops, elles arrivent rarement, mais dès qu'elles arrivent, ça vous entraîne encore plus. Voilà, et vous faites ça, et vous laissez le truc... Des shops, 1+2 cette fois-ci. La shop 1 cette fois-ci. La shop 1+2 cette fois-ci. La chope 1+2, bon j'avais vu. Hein. Chope 1+2. Chope 1, j'ai pas déchopé. Chope 1, je l'ai chopé. Là je bloque. Chope 1, j'ai pas déchopé. 1+2, je l'ai chopé. 1+2, je l'ai chopé. Chope 1, j'ai déchopé. Là je bloque. Chope 1, je l'ai chopé. Là je bloque. Là je bloque. Là je bloque. 1+2, je l'ai chopé. Voilà. Oui. Après vous mélangez de plus en plus de coups pour que ça soit plus... Et vous entraînez à voir l'animation. Regardez l'animation des bras, l'avoir vraiment dans la tête. Utilise la manette Vitrix là pour l'instant. La Vitrix là-bas. Comment tu vois au corps à corps? Moi je vois pas l'animation des bras. Tu vois pas l'animation des bras? Si. Faut que tu t'entraînes. C'est tout con. Merde putain. Non attends. Attends, je vais te le faire normal. Bien, tu le fais déjà en mode basique. Tu fais hop, 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 hop. Ok. Et tu t'entraînes après, tu le mets en play.
Tu te mets en play comme un film, comme un Netflix. Regarde, tu le vois. Vous le voyez, hein. 1 plus 2, il fait les deux bras. Ça se voit. Ça se voit. Quand vous allez avoir l'habitude, ça se voit, les deux bras. C'est presque... C'est, vous allez avoir le temps de le voir. Les 1 et 2, c'est facile. C'est, vraiment, il met son bras droit, son bras gauche en avance. Là, tu le vois, voilà. Et t'as le temps de déchoper... je crois que t'as plus de temps de frame pour déchoper la 1 et la 2 que la 1 plus 2. Normalement, c'est ça.